Zombie apocalypse. Et attendez. Et salut à toutes et à tous, c'est Somatin qui en parle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, nouvelle dégustation d'un big burger. D'ailleurs, la taille de leur cornichon, frère. Plus grande que ma. Voilà, vous m'avez compris. Quoi. J'aime pas les cornichons. Bah. Délicieux. Burger fromage et bacon. Putain. Trop bon. C'est trop trop bon. Ah. J'ai regardé les... enfin, j'ai vu les deux dernières vidéos, c'était minable en vue. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde qui a regardé ça, mais bon. Pour être sûr que je referais pas des vidéos comme ça. Trop bonne les frites en plus. Je crois que ça c'est l'un des plats préférés des Français. Enfin pas tous les Français mais une grande partie je pense. Le chat, t'es obligé de chier à chaque fois quand je vais bouffer, je te jure. En plus, je suis en train de faire sa crotte là, c'est dégueulasse. Le chat, t'es obligé. Oh, franchement, le chat. Si ça pue, je te jure, je t'arrose de produits. Il m'en fout partout en plus. À chaque fois que je suis en train de bouffer, il est en train de chier. Non, mais c'est un truc de fou. C'est comme s'il était réglé à me faire chier. Pourquoi les frites, elles passent bien. Tiède, moi, j'y crains pas. Elles sont bien salées, c'est pour ça qu'elles passent bien. Oula, je suis étouffé. Ouais, comme je disais, c'est l'un des plats préférés des Français. Enfin, je pense. D'ailleurs, je sais plus me concentrer sur les. Enfin, je vais faire un truc, c'est goûter tous les burgers de mon voisin. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a un futur Burger King qui va se construire à mon voisin. Le top. Ce sera le deuxième fast-food de mon maison.
En tout cas, il pèse, hein, le salaud. Mais il est trop bon. Le bacon. Donc, je vais essayer de faire tous les burgers de Montbrison qu'il y a, que, enfin, tous les goûter, quoi. Verra bien si ça donne. Il tape dans l'estomac, lui. D'ailleurs, vu que Noël approche, j'aurais aimé savoir ce que vous mangez en général pour le repas de Noël. Bon, ça va être difficile cette année, mais bon. Donnez-moi toujours des idées, ça. Ça peut toujours le faire. Trop bon. En plus, c'est une sauce, je sais pas trop ce que c'est. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Une tuerie. Dire un peu du, comment ça s'appelle? La couleur, dire un peu du harissa. C'est pas du tout le goût du harissa parce que je sais que ça pique. Et puis ça, c'est tout doux. Là, je mange pas gourmandise. Deux steaks. Il y a deux steaks, du bacon, trois tranches de fromage, le pain, la sauce. Après le reste, je sais pas. Après, t'as des cornichons aussi, la taille de je sais pas quoi.
Là, ça commence à coller. Désolé si je suis pas tout à fait droit, mais j'évite de trop filmer sur la gauche, sur la droite, parce que sinon, n'ai pas envie trop qu'on voit mon appartement non plus. Voilà. Et puis voilà. Je vous jure, j'ai plus faim. Je vais accoucher là. Pardon. Pardon, c'est le coca. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, pardon, et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao!